Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre. On va voir les messages pour votre signe. N'hésitez pas aussi à voir la vidéo de votre signe lunaire et de votre ascendant. Ça se calcule aujourd'hui gratuitement sur Internet. Il y a plusieurs sites qui le proposent. Pour les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Elle est notée sur les vidéos. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel si vous êtes de ma région, dans le 57, en France, bien sûr. Voilà les scorpions, on va commencer pour vous avec un message du corps pour ce mois-ci. Allez, scorpion, ah bah, c'était rapide. Scorpion, on a eu bouillonner. Bouillonner, donc on peut avoir ici une colère qui remonte ce mois-ci. Qui peut surgir, pardon, on vous dit, sous forme de rage. Ça peut faire des plaques d'eczéma, ça peut faire des tout ce qui est inflammatoire dans le corps, en fait, brûlure d'estomac, inflammation, etc. On vous dit ici de vous détacher de la situation qui a généré ça en vous. Ok, bon. Je vais continuer maintenant. On va regarder au niveau des événements. Qu'est-ce qu'on a ? S'il vous plaît, pour le scorpion, pour ce mois d'octobre. Excusez-moi. Oh. Bon. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits... Bon, déjà, au début du mois, on voit qu'il y a de la précipitation. Peut-être vous aurez beaucoup de choses à faire. Peut-être vous allez prendre des décisions rapides pour quelque chose. Saisir une opportunité rapidement, vous voyez. Je vais en prendre encore une. Bon, ensuite, j'ai une forme aussi un petit peu d'apathie là, avec la lune en cancer. Ça peut nous parler... je sais pas, ça peut être de la fatigue aussi, hein, tout simplement, un burn-out, des choses comme ça. Ça peut être de la frustration ou un quotidien monotone, une forme de lassitude sur quelque chose. Alors, on voit qu'il y a un homme ici qui a des soucis au niveau émotionnel avec le roi de coupe inversé. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme de votre entourage. C'est quelqu'un qui n'est pas... comment je peux dire ça ? Aligné, qui n'a pas réglé une blessure, qui peut causer des blocages dans la vie, ici. On voit avec le 2 d'épée que vous vous sentez peut-être dans une impasse, dans une situation, qu'il y a une décision difficile à prendre, un choix à faire, ou que vous hésitez entre deux possibilités. On a avec le 9 de bâton... on voit que vous allez être têtu, peut-être un peu trop rigide ce mois-ci. J'ai aussi des célébrations, des festivités auxquelles vous allez participer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça peut être ici de décider de saisir l'opportunité rapidement, soit de faire une formation, reprendre des cours ou des études sur quelque chose, ou passer un examen pour quelque chose ici. Alors, ok. Alors, ces festivités, elles peuvent nous parler de revoir quelqu'un du passé. Alors, ça peut être tout type d'événement. Hein. On peut y voir quelqu'un de son passé à ce moment-là. Ok. Ou il peut y avoir une situation qui revient. Ouais. De la culpabilité. On voit que vous avez une victoire sur quelque chose, donc c'est bien d'un côté de ne pas céder, d'être obstiné dans vos projets, parce qu'on voit qu'il y a la victoire. Ok. On a aussi un cadeau, on voit clairement que c'est de l'argent, donc est-ce que vous recevez une aide d'un organisme? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est... Alors si c'est un héritage, c'est plutôt paternel ici. Ça peut être aussi... un homme qui vous offre une aide financière. Sinon, c'est quelque chose que vous avez peut-être demandé aussi qui vient. Hein. Hop. Ok. On a aussi peut-être une idée par rapport à l'étranger ou par rapport à quelque chose sur Internet. Soit c'est un voyage, soit c'est un travail sur Internet, soit c'est quelque chose qui concerne le tourisme, etc. Ou un pays étranger ou frontalier.
Ça peut être aussi de partir faire un séminaire à l'étranger ou ce genre de choses. On voit que là, il y a quelqu'un peut-être qui va vous faire des reproches et vous, bah, vous mettez votre bouclier, vous protégez par rapport à ça. Peut-être vous ne voulez pas les entendre aussi. On voit qu'en fait, il faut aussi beaucoup travailler votre clairvoyance, votre troisième œil ici. Hein. On vous dit de regarder clairement sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous n'arrivez pas à voir, parce que peut-être vous idéalisez une situation ou une personne. Vous ne voulez peut-être pas voir le côté sombre de quelqu'un, ou alors vous n'arrivez pas à voir dans une situation ce que vous devez faire. Ok. C'est par rapport peut-être à un enfant ou aux frères et sœurs ou quelque chose de votre enfance. Hein. Alors, on a de l'argent qui arrive. Alors, ça peut être une aide aussi pour un bien immobilier ou pour la maison, hein, le foyer. Ça peut être aussi un bien immobilier qui vous est légué hein, également. Ouais. Ok. Ouais. On voit clairement qu'à une réunion ou à un événement, il y a quelque chose du passé qui revient, comme si on voulait vous faire culpabiliser de quelque chose. Après, on vous dit de garder l'esprit tranquille, que vous avez vraiment une victoire ce mois-ci. Bon, je vais regarder un peu avec le Cozy Witch. Ouais. On est beaucoup dans les pensées ici, hein, j'ai l'impression, les émotions, les pensées. Comme si là, il fallait que vous ayez un esprit de décision forte ce mois-ci, que vous repreniez le contrôle de votre vie sur les décisions à prendre pour toute votre vie professionnelle, matérielle, financière, etc. On vous dit ici d'être ambitieux et de vraiment continuer de courir après vos rêves. Ok. 8 de bâton, bah ouais, c'est pareil, hein. Ça vous dit d'y aller aussi, hein, sans attendre. Donc là, il faut vous lancer pour quelque chose. Si vous avez une nouvelle idée, il ne faut pas traîner, vous êtes encouragé ici. Alors, je vais regarder avec l'oracle le cri des âmes au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas peut-être chez vous, les scorpions, ce mois-ci? Alors, on nous parle de karma transgénérationnel. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un karma qui est transmis de génération en génération, dont vous avez hérité. C'est peut-être pour ça que vous rencontrez certains blocages dans votre vie. Après, ce n'est pas une fatalité, hein. On a tous un libre arbitre et on peut tous transmuter ce karma. On peut tous ne pas le subir si on change ses façons de penser, nos croyances limitantes qui peuvent avoir été aussi transmises inconsciemment par les membres de votre famille. Si on change ouais, la manière de voir les choses, hein, c'est un peu comme les personnes qui sont les moutons noirs de la famille, on appelle ça, parce que ben, elles viennent briser cette chaîne de défaite, en fait, dans le transgénérationnel. Elles viennent casser tout ça, casser certains codes pour faire autrement, pour changer les choses. Et souvent, bah oui, ce sont des personnes qui sont rejetées de leur famille ou qui dérangent parce que bah, elles ne veulent pas suivre le même chemin. Mais en fait, sans le savoir, elles sont en train de guérir tout l'arbre généalogique et de changer les choses pour les éventuels descendants. Donc c'est une bonne chose malgré tout. Ok. Alors, on va prendre un dernier message avec mon jeu de 32. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, plutôt les cheveux clairs, un homme ou une femme. Qui pensent à vous, qui aimeraient que vous soyez là, ou qui songent à vous envoyer un cadeau, vous aider financièrement, ou vous envoyer un message. Voilà, qui s'inquiète pour vous, ou qui pense à vous. Ok. Alors ça peut être une personne blonde, mais comme on est dans du général, pas forcément. Voilà les amis. Scorpion, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Pour ceux et celles qui sont de ma région, on organise avec mon mari un salon bien-être et artisanat local le dimanche 20 octobre. Si vous voulez nous y retrouver, ce sera un plaisir voilà, de vous rencontrer là-bas. Je mettrai le flyer en fin de vidéo si j'y arrive. Sinon, l'événement est sur ma page Facebook. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur en attendant.